L'âme volatile, vogue à l'âme volatile. L'âme volatile, j'ai une âme volatile. L'âme volatile, vogue à l'âme volatile. L'âme volatile, j'ai une âme volatile. Les six étudiantes franco-pondichériennes de MA French, Diana, Sylvie, Sabrina, Chantal, Émilie, Soubacherie, sont d'ailleurs filles d'optants. Françaises de papier, elles se sentent pourtant avant tout indiennes et voient la France comme une réalité lointaine se matérialisant par les récits de leurs proches, résidant généralement dans la région parisienne. Jusqu'à maintenant, la nationalité française leur a simplement permis d'obtenir une bourse pour suivre leur scolarité au lycée français. Mais elle précise qu'être française donne aussi droit à devenir boursière du gouvernement français pour continuer des études supérieures en métropole. Si elles semblent peu conscientes des autres avantages sociaux liés à cette nationalité, elles en connaissent cependant parfaitement les inconvénients. N'étant pas indiennes, elles ne peuvent pas avoir le droit de vote, ni devenir fonctionnaires ou bénéficier des tickets de rationnement sur le territoire indien. Mais la pire des choses pour elles est d'être perçues par les pondichériens comme des filles de soldats, des étrangères, des riches, et d'être l'objet de convoitises, voire de harcèlement de la part des hommes de nationalité indienne désireux de rejoindre au plus vite la métropole. Ceux-ci cherchent en effet souvent à épouser une Française pour quitter Pondichéry. Nos étudiantes disent donc se méfier des garçons qui les approchent par intérêt. Et les anecdotes à ce propos ne manquent pas. En général, les candidats utilisent des informateurs de manière à se procurer les coordonnées des Françaises. Ensuite, ils appellent directement leur père ou se présentent à leur domicile. Ils n'hésitent pas parfois à proposer des sommes astronomiques pour réaliser leurs rêves. Soubachery nous raconte d'ailleurs à ce propos que lors d'un examen médical, on a promis de lui fournir exceptionnellement les résultats des analyses pour le lendemain. Quelques instants plus tard, la mère de Souba recevait un appel provenant de l'hôpital. C'était la charmante professionnelle chargée des prises de sang qui recherchait une franco-pondichérienne pour son frère, candidat au mariage depuis 5 ans. Mais d'autres hommes se montrent encore plus persévérants. Un cousin de Chantal, âgé de 40 ans, nourrit depuis 15 ans l'espoir d'épouser une Française. Même si nos étudiantes préfèrent rire de ces situations désagréables, elles avouent que leur nationalité est parfois difficile à assumer dans la vie quotidienne. Espérons qu'il leur sera plus facile d'être indienne en France. Tantôt en France, tantôt au Tamil Nadu, chez les Vaudous, en Afrique, au Brésil. Je suis rarement où se trouve mon corps, je ne sais où se trouve ma vie. Voyage ou voyage, d'exil en exil. J'ai une âme volatile qui loge dans les palaces de l'espace infini, au milieu de mon corps, mais tout près de toi. Je suis tout près de toi, comme les yeux s'embrachent des cils dans la mer rouge, dans les courants de Nil. Je jette l'hameçon à l'âme sœur et je t'attends, je t'attends.